Et bonjour à tous, vous êtes bien sûr Cocorier pas plus fort, et je vous retrouve aujourd'hui pour la 33e partie de notre playthrough sur le mode New Threat de Final Fantasy VII. La dernière fois, donc, nous étions un petit peu à la poursuite des... nous étions en train de chercher à récupérer les armes ultimes et les limites ultimes de chacun des personnages. Donc du coup, la dernière fois c'était mardi, on avait reporté, vu que j'étais pas là le week-end dernier. Mardi, nous avions donc récupéré l'arme ultime de Tifa, qui est assez puissante au niveau des dégâts qu'elle fait. Et nous avons aussi récupéré l'objet qui permet d'apprendre la quatrième limite des bus. Donc là, sur ce stream, nous allons poursuivre un petit peu cette récupération d'armes et de limites. Donc c'est parti. On va se mettre en plein écran. Donc je rappelle qu'il y a un vote actuellement pour savoir si on poursuit la série. Normalement, il doit être affiché dans le chat, je vais le remettre dans le doute. Hop. Tac, voilà, vu que ça fait encore 2 mois de plus qu'on est sur le jeu, donc c'est le tout dernier vote de ce que je viens d'envoyer. N'hésitez pas à donner votre avis pour savoir si on poursuit la série ou non. Je vais baisser un petit peu le son pour moi. Hop, parfait. Donc, comme à chaque nouveau stream, une nouvelle équipe. Donc cette fois-ci, ça sera KD, Cocor et Tender. KD en DPS magique, Cocor en tank et Tender en DPS physique. Je vais pas revenir sur les matériaux de chacun, j'ai fait peut-être quelques petits ajustements, mais globalement ça reste un petit peu la même chose. Donc nous allons retourner voir le forgeron pour voir un petit peu de quelles armes on peut faire. Donc cette fois-ci j'ai fait les mises à jour, je m'étais dit on pourrait tester éventuellement la Dark Cave à nouveau. Mais bon, si c'est pour se rendre compte que ça marche pas, je lui autant faire un petit peu tout le reste pendant que ça se débug petit à petit. Et puis quand on aura fini, je pense, de faire le tour un peu des armes et des limites, on retournera voir du côté de la Dark Cave. Donc est-ce que vous êtes prêts à forger certaines armes? Oui, donc nous avions fait, voilà, la dernière fois, je suis en train de me demander... Oui, je suis bien sur le cache, je me dis que je suis sur les haut-parleurs. Le son est bizarre. Donc première arme, voilà, c'est celui qu'on avait fait la dernière fois, donc l'arme pour Tifa. Pour Ultima Weapon et Missing Score, on pouvait pas, étant donné qu'il fallait battre les armes, justement, qui traînent sur la carte du monde. Et qu'on n'a pas trop le niveau, j'ai l'impression, pour l'instant. Donc ensuite, on avait le Princess Guard, donc qui doit être l'arme pour Malakin, voilà. J'ai regardé un petit peu en préparant le stream, j'ai vu que j'avais tous les équipements nécessaires, donc j'avais déséquipé l'une des armes. Donc voilà, il fallait le Fairy Tail, le Wizard Starf et le Gospel Spark, donc je ne saurais plus dire où on le retrouve, mais je l'ai déjà. Donc ça tombe bien. Ça, c'est une arme qu'on va pouvoir faire gratuitement, sans faire de plus. Ça fait plaisir. Tu n'as pas tout ce dont j'ai besoin, donc j'ai pas dû sauvegarder. Donc on va faire un petit changement vite fait. Malakin. Voilà, là, le Fairy Tail d'équiper. Donc on va juste... l'ajouter dans l'équipe, le temps de lui le retirer. Donc voilà, on va lui donner le Prism Staff, on en a pas besoin. On va la garder dans l'équipe. Let's do it. Princess Guard, et normalement on a tout ce qu'il faut. Voilà, reçu, Princess Guard. Ensuite, arme suivante, là ça va prendre un peu plus de temps par contre. Je pense même tout le stream et encore ça suffira peut-être pas. Nous avons Limited Moon, qui est l'arme pour Nuga. Donc il faut Behemoth Horn, Spring Gun Clip et Red Crystal. Tous ces objets, et ben, parmi tous ces objets, on n'en a strictement aucun. Donc j'ai regardé le Behemoth Horn et le Spring Gun Clip. C'est deux armes que l'on récupère sur justement le King Behemoth qui est dans la grotte nord. Donc cet ennemi, c'est pas l'un des trois boss, enfin l'un des boss des trois chemins. On avait le boss du deuxième chemin qu'on avait tout juste exploré, qui a été un Behemoth justement, mais un rouge. Et en fait, le mob qui nous donne les armes, c'est le même, mais la version non-boss, le jaune, qu'on croise aléatoirement. Donc il va falloir en battre un et en morph un pour récupérer chacun des objets. Et le Red Crystal, en fait, j'ai vu, c'est... quand on regarde dans la liste
des objets à trouver. C'est l'ennemi qui nous le drop, si je dis pas de bêtises. C'est Summon Materia ou un truc comme ça. Donc j'ai regardé forcément sur internet et je suis tombé pas sur toutes les matières d'invocation. Et en fait c'est une petite boule rouge qui porte un autre nom à ce que j'ai cru comprendre. Et qui est un peu récurrent dans tous les Final Fantasy, je saurais plus dire, c'est le Move ou le Morph, je sais plus. C'est un nom un peu comme ça. Et donc c'est un ennemi qu'on retrouve justement dans le troisième chemin de la grotte nord. Et donc éventuellement bon, on ira faire ça si jamais on réussit à récupérer les deux armes. Donc no way, j'ai rien du tout. Et pour le reste on verra plus tard. Ok, on va regarder un petit peu l'arme de Mala. Materia, hop. Non pas Materia, équipé. Donc c'est quoi? C'est le Princess Guard, oui voilà. Tous les slots et aucune augmentation, ça peut être que lui. Donc restaure les HP et donne le shield. Ah, ça veut dire sur les attaques, ça donne le shield. Alors ça veut dire que ça soigne avec le bâton, mais ça nous rend insensible aux soins. On va faire un petit combat vite fait. Ah je veux dire pourquoi Coco est dans l'autre sens. Donc si avec Malakin j'attaque par exemple Coco. Ah ok. Pétrification. Petite riposte. Grosse riposte. Sur ces petits ennemis. Par contre, s'il me pétrifie les trois personnages sur un combat nul, ça va être un peu la merde. 1649, ok. Je pense pas que le Ezuna, ça me dépétrifie. Sinon, on va faire un remède. Bouclier, d'accord. Donc, théoriquement, si je lui lance une attaque magique, si j'ai le temps, ça devrait pas passer. Les soins devraient pas passer non plus. Ça me soigne du coup. Mais par contre, si je fais un soin avec le bâton à nouveau, ça rate. Pas de chance. On va réessayer. Ah non, ça passe vraiment pas en fait. Je crois que ça doit être le shield qui doit me protéger. Que j'esquive autant, ça m'étonne. Je crois que c'est le shield. Ah si. Mais est-ce que j'avais toujours le shield? On va supposer que oui. Oui, de toute façon, allez. On va lui mettre une grosse patate. Il va rien comprendre. Déjà qu'un petit sort à 3500, ça les avait bien dégommés, je pense. Petite météorine. De l'XP insignifiante. Ok. On va rappeler notre ami... Tender. Et on va décoller. Du coup, et ben direction la grotte nord. C'est un brebis qui n'est toujours pas là. Je pense qu'il faut qu'on batte l'autre arme d'abord. J'avais refait un petit peu le plein d'objets, donc on devrait être pas trop mal. Les queues de phoenix, les remèdes, tout ça. Les tentes. Et du coup, je crois qu'on est obligé de se retaper la descente, on peut pas se faire TP en bas. Il semblerait que non. Ça fera l'occasion de pexer, de fouiller un autre chemin. Le souci, c'est est-ce que je rentre dans la zone par le bas ou est-ce que je rentre par le haut, sachant qu'il y a le boss qui m'empêchera de passer par le milieu. C'est plus question de savoir s'il y aura des points de sauvegarde... Là où il faut. Let's go. Oui.
Alors je pourrais mettre un ennemi leurre pour y aller plus vite, mais bon, sachant qu'on a des levels à gagner, on va s'en passer. On va essayer de faire le plus de combats possible. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'est pas plus haut level que ça sur les autres, on est que 81, je pensais qu'on était monté un peu plus. Même si c'est avec d'autres personnages, normalement. Je sais pas si demi ça passe sur eux. On va mettre juste une barrière simple. C'est raté. On va retenter notre chance avec un demi-2. Ouais, va falloir mettre un petit peu plus de puissance de feu, je pense. Ah, à part Bolt 3... Ah bah là, ça a marché. Dommage que c'était qu'un demi-2. Ah, j'espère que j'ai pas le level... c'est bon. Le level demandé pour mourir. Ok. Celui-là, ça va. C'est un des plus simples de la grotte nord. Mais ça rapporte quand même 66 000 XP. 1120 AP. Une contre-attaque, enfin non, contre-attaque et cover qui gagne un niveau du moins. Pas besoin de soins je pense, ouais c'est bon. Alors j'avais regardé aussi les endroits où on pouvait farmer les turbo-éthers et les élixirs, en fait c'est pas forcément des ennemis violents. C'est des tout petits ennemis à la con, ça, faut juste savoir que c'est eux en fait. Le dragon, est-ce qu'on a le niveau maintenant? C'est absolument pas garanti. On va tester. Ça va craindre quoi, ça? La glace? On va lui mettre un slow. Je l'ai pas soigné, non, c'est bon. J'ai un doute. On va en refaire. On va mettre une régène. Ah, c'est cool, il me soigne KD. J'ai mis des trucs, enfin des objets, des accessoires qui augmentaient la. Oh, c'est bon, ça fait bien des dégâts. Ah oui, c'était envers, c'était les MP que j'avais vu. Alors je sais pas si freeze c'est ce qui craint le mieux. Hein. On peut tester la terre, je pense que c'est pas trop risqué. Ah, on peut tester le vent vu que c'est un dragon. Même s'il vole pas, concrètement. On va peut-être faire un petit cure 3 sur Tender. Ah non, c'est moins efficace ça. On va continuer sur les freeze. Je pense qu'il nous met un peu moins cher déjà. Du coup, est-ce qu'un Quake 3 ça sera efficace? Parce qu'avec la tornade, c'était pas si efficace que ça. Et vu qu'il est posé au sol, peut-être qu'un quick pourrait marcher. Il m'aurait fallu un Ice 3 peut-être. J'ai tellement claqué tous mes MP. On surveille le Quake. Oh ça, oh, ça fait autant mal qu'un... Bon ça va faire mal je pense. Oh ça va. Ah par contre c'est ça qui fait mal. On va mettre un cure 3 quand même.
Et on va lancer des containers de terre. Hein. Ça a l'air pété. C'est break, je crois. Allons-y pour un break. Je pense qu'on va faire une queue de phénix le moment venu. Attends, on a repris cher. On va repartir sur un cure 3. Je crois qu'il y a une attaque encore plus puissante qui pourrait nous mettre KO. Voilà, là c'est efficace. Ouais, la terre, je sais pas pourquoi. Gauntlet. Je devrais peut-être attendre pour le phénix. Eh ben nickel! Premier gros dragon combat. Celui de la grotte nord du coup, mais bon. Pas trop d'intérêt à retourner voir ceux du mont Nibel. 142 000 XP, presque un niveau complet pour Kokor, mais bon, les autres ils vont se faire plaisir. 5700 AP aussi, c'est pas mal. Ah bah aucune matéria cube par contre. Ce n'est pas assez. Mais je pense que ça les a bien augmentés. 25 000 giles, on prend. On va se remettre un petit peu des MP. Là, on peut en claquer des éthers pour 25 000 giles gagnés. Oh, juste une. Vous êtes sérieux? On va pas se buff. On va juste attendre. On va se mettre en défense. Parfait. Easy. 33 000 XP pour juste un sort. 560, une queue de phénix. Là on avait tout récupéré, il y a un chemin sud-droite, il doit être plus court je crois, il doit être plus direct. Et c'est tout des sauts où il n'y a pas de combat. Ah, il y avait le coffre de droite que j'avais pas récupéré. Ça fera l'occasion. Parce que c'est pas un cul-de-sac au moins. Oh bah un turbo-éther. Je dis pas non. Ah bah il y a encore un objet là en dessous. Ouais, je m'étais dit à la remontée je les reprendrais, mais vu qu'on avait une TP pour la remontée... Je les avais pas récupérés, bah ce sera chose faite. Que je me souvienne du chemin. Salut Cuisine TV, comment ça va? Je crois qu'il faut que je prenne là. Les deux ils doivent être connectés, je crois. Ça a l'air d'être ça. Ça speedrun ou pas? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Ceux-là, 76 heures, je pense, c'est pas une grosse perf. Je sais plus comment on les gère ceux-là. On va se mettre un wall. Eux, je crois qu'ils lancent une attaque de l'angoisse. Qui peut potentiellement me tuer, mais qui les tue tous. Donc, j'espère que je vais pas me faire entuber. Petite hâte. C'est moi où on a tous été ralentis en fait déjà de base. Ouh, le demi-3 était efficace là. On va en relancer un, je pense. Ouais, c'est ça, on est ralenti. Normalement, il devrait y avoir l'hâte qui devrait arriver derrière. C'est pas la version française, non, le mode il existe qu'en anglais. Du coup, bah des blocs. On va relancer un demi-3. Petite régène. Oh, ça va en fait, il se tombe bien maintenant. Ah oui, c'était cette attaque que j'avais commencé à penser qu'ils étaient vénères. Ouais, Steam, tu peux l'avoir en français, ouais, le jeu. Bon, bah, ça va, on les a très bien gérés. Ça voit qu'on a pris des niveaux.
Gun niveau de Cocker, Tender et KD. 750 AP, 9000 Stardust. Stardust, ça serait pas pour lancer Comet ou un truc du genre. Le High Wind. Le Stardust. Où est-ce qu'il nous a rangé ça? Ah mais je devais en avoir déjà. Attends, on va retrier. Hop. Il a dû passer sans que je le voie. Il est pas là. Ah, voilà. Ouais, c'est ça, Comet 2. Tu as fait ton café et ta clope est prête? Avec ses heures dessus? Bah, j'ai surtout galéré. Alors, on va soigner tout le monde. Ça tombe bien parce que justement, je bois, j'aime pas le café et je fume pas. Donc, non. Ok. On va continuer. Hop. C'est par là. Oh, les ennemis de l'angoisse. Est-ce que je me les fais? Je crains pour ma vie. Je crains pour ma survie. Surtout si je me retrouve avec un perso. Dès qu'il y en a un qui part, je me casse. Dès qu'il y en a un qui est éjecté. Merci pour le follow Cuisine TV. Bienvenue à toi. Si tu as des questions sur la chaîne, n'hésite pas. Qu'est-ce qu'ils vont craindre d'eux? Break. J'habite entre Lyon et Saint-Étienne. Mettre une petite régène. On a mis le wall. ...3800, je sais pas si c'est gros comme dégâts. Dans le doute, on va enchaîner sur un... On va enchaîner sur un flair. Et on va les ralentir. Je suis un streamer aussi, je sais comment ça se passe. Oui, mais tu sais pas forcément comment ma chaîne se passe. Désolé. Oh putain, il s'est déjà séparé. Ah, il nous a pas viré quelqu'un. C'est une bonne nouvelle déjà. Donc ça vient pas de leur séparation. C'est bon à savoir. J'ai pas vu le flair, comment il avait fait de dégâts. Ah, voilà. Non, ça c'est l'angoisse. Voilà. On a plus qu'au corps. Le problème, c'est que s'il nous en vire deux, je le sens pas. Ouais, non, on va arrêter de les faire ceux-là. Enfin, surtout s'ils sont deux. Seul, ça pourrait passer. Ah bah, en plus, il se balance le fleur dessus, Kaylee. Permettez-vous en défense. Ok, c'est bon. Allô, menu. Ok. Des petits éthers. Bon, bah ça, on est déjà à la séparation. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un point de sauvegarde? Et de chaque côté. C'est peut-être un peu risqué d'aller dans l'inconnu. Bon, ça va encore là, on est allé assez vite. Ah, par contre, c'est quel chemin? J'ai un don pour trouver les prénoms. Oui, tu vas voir mon profil éventuellement. un robot. Ouais, mais c'est pas... Ah, mais non, je voulais voir le. C'était pas ça que je voulais voir en fait. Craindrait-il la foudre, sachant que j'ai pas de sort de foudre avec lui. On va lancer un flair du coup. Faute de meilleure idée. Par contre, il se rapproche de plus en plus, je serais peut-être mieux de me buff. Avant de me prendre une grosse tarte. Je dis. Kevin, non. C'est pas ça. C'est faux. J'ai pas vu le flair combien il a fait de dégâts.
puis mettre des grosses patates. Soignons-nous. Freeze a l'air pas mal. On va tenter un break. Petite pluie de météores. Oh, je vais pas tester tout bêtement le demi, ça se trouve ça passait. Ça occupe. Ah, oh, je suis déjà bien occupé là. Oh, le break c'est pas mal. On va continuer comme ça. Ah, il se protège. Le problème c'est est-ce qu'il se protège des sorts aussi. Bon, c'est bon, il a arrêté de se protéger. J'ai bientôt plus les barrières, on va essayer de faire un tour sans. Ouais, les attaques physiques c'est pas trop ça. Hein. Là, j'ai parmi les barrières. On va prendre cher par contre. Bon bah ça va. Il est décédé avant. Tu aimes les mangas au vu de ton nom, je pense. Oui, oui. Tout à fait. 98500, la contre-attaque qui gagne un niveau, cover aussi, tender aussi, avec les 1000 AP. Un pile bunker. On va remettre un petit peu de mana à Kaylee. C'est pas le chemin. Oh, de toute façon, il y a des ennemis. Enfin, il y a un ennemi à faire des deux côtés. Mais je voulais voir l'autre d'abord. Ah, c'est juste un écran. Par contre, s'il n'y a pas de point de sauvegarde, ça va m'angoisser. C'est quoi, c'est un cimetière ça, ce qui m'étonne. C'est une lance. Ok, ça donne beaucoup de AP. Apparemment. Je peux remonter, ouais. Ok. Par contre, est-ce que je ferais pas mieux de fouiller à droite d'abord? Comment ça s'appelle cela? Allemagne. Aïe aïe aïe. Petite rate. Ah bah Tornado ça va être efficace sur lui, logiquement. Qui vole. Par contre le Quake ça va totalement rien faire. Donc enchaînons sur le Bolt 3. Ça va, Tornado. Ça fait bobo. Et encore, j'ai pas le MP turbo dessus. Je pense que ça ferait bien les 9999 si c'était le cas. Ben voilà. C'est easy la grotte nord. Ah, succès déverrouillé, top niveau, je pense, parce que Cocor va passer level 99. Et du coup, bah, y a pas de level au-dessus du 99. On est bien d'accord. Donc je pourrais plus pexer le Cocor. Ça fait combien d'XP au total? 7 millions. Ok. Limite, je devrais changer de perso. Je peux grimper là? Par la droite. Ouais, je suis sur Steam. Si c'est une question. Oui, de toute façon, c'est 99, sinon il y aurait un nombre d'XP. Ah, l'armure! L'armure, j'arrive à la faire sur FF15, mais est-ce que je vais... Non, je vais pas mieux y arriver là. On va lancer une queue de phénix avant que tout le monde soit mort. Ben, je crois que tout le monde va mourir. Bon, fuis. Bon, c'est le décès. Fuck. Et bah bim, tout à refaire. Ouais, cette zone, c'est un peu l'angoisse quand même. C'était
Celle-là. Ok. Bon, bah maintenant on peut regagner des niveaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'autre chemin. Non. On va lancer directement le demi 3. Tu as trouvé? Ouais, c'est ça. Bon, je vais juste vérifier un truc. Hop. Ah non, je l'indique pas dans mon... Sur Twitch directement. Hop. Je pensais que je le donnais, mais non. Hop. Bah du coup, la même chose que tout à l'heure. Enchanté. Moi, streamer Charlie, ravi de faire ta connaissance. Mais de même. Katie. Oh, ça a pas suffi? Ah oui, il lance leur sort de... Leur petit sort de décès. Ça va, on a 3 persos. On va y survivre. C'est juste Ender qui gagnera pas l'XP. Et j'adore les biscuits. Ça se croit que c'est le truc par défaut de Steam que j'ai pas changé. Un gourmand de BN, c'est pour ça que j'ai toujours le sourire, c'est ça. Tu as tout compris. Magie. Bon, life 2, hein, tant qu'à faire. Petit cure 2. Hop. Ah, le dragon. On va le refaire. Maintenant qu'on sait faire. Petite hotte. Donc c'était les... C'était quoi? C'était les breaks qui étaient efficaces contre lui. Si je me souviens bien. Un critique à même pas 1000 quoi. C'est un peu la loose. Si on a des gens en commun, on joue ensemble, bah si tu veux. Il n'y a pas de soucis, faut juste que je trouve le temps. c'est ça le plus dur. Kaylee. Break. Je crois qu'un soin, ça sera pas trop. Mon fond de zombie est très joli, GG. J'adore ton fond. Ouais, c'est un fond de Dead Rising 3. Si je me souviens bien. Oh, le sort qui rate. Break. Pas de soucis, je m'adapterai, t'inquiète pas. Ok, on va se mettre un régène derrière. Bah, vu que je risque de le battre plus vite, est-ce que c'est bien nécessaire de se buff? En plus, c'est Ender qui reprend. Il prend l'aggro. Bah du coup on va faire un quick 3. Ah, ça c'est pas le sort qui fait bien mal et qu'il avait pas lancé l'autre fois. Non, c'est bon, ça passe. Ah oui, par contre on est tous sous... On est tous sous timer.
petit bug de texture. On va faire un cure 3 juste sur Tender. Mince, on a plus les barrières. Ça fait mal. Ne décède pas. Du coup, t'aurais mieux fait de te soigner toi. Au moins, elle mourra pas au bout de 30 secondes. Et elle aura pas l'XP à nouveau. Deuxième fois. 142 000 XP, 5700 AP. Level up. Magie. Gros lance, c'est quoi? C'est une arme aussi ça? Ah mince, j'ai pas retrié. Ah, c'est peut-être une des armes qu'il faut pour l'arme ultime de... des bus, c'est pas impossible. Alias Seed. Je rappelle. On va se remettre un petit peu de MP. On va reprendre les objets à droite. Vu qu'on a décédé. Le turbo éther est en dessous, ça devait être une explosion. C'est ça. C'est quelle est la sortie? On se jette à droite, on prend le petit tunnel. On avait dit non. Parce qu'à un compte 2, je le sens pas. Enfin, même un contre 1 d'ailleurs. On va les sauvegarder tout en bas, je pense. Ça sera plus safe. Un autre dragon. Break. Je crois que je vais mettre Quake 3 sur le sur le Magic Counter. Ça vaudra peut-être mieux. On va se faire un soin. Ouais, sur tout le monde tant qu'à faire. Hein. C'est dommage parce qu'il me rattaquait moi. J'aurais mieux fait de faire un perso. Personne aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Ils sont tous encore couchés. Pourtant c'est moi qui me suis couché le plus tard. Ok, on va en faire un break. Petit slow. J'ai lancé quoi comme sort? J'ai relancé un cœur 3 sur moi. Parce que là, c'est ce dont j'ai besoin. Ah non, j'avais fait le slow. Ben, dépêche-toi de rejouer avant de décéder. Je vais mourir. C'est ça. Je sens que je vais remourir. J'ai survécu. Si j'arrive à me viser. Je sens que je vais pas avoir le temps de me soigner. Ah bah non, c'est bon. Ah bah parfait. On est en vie.
Avec très peu de PV, mais ça suffit pour avoir l'XP. 142 000. Gravité gagne un niveau et on crée une matière à gravité. La gros lance, si on en a pas assez d'une. Petit cure 3. Gros cure 3. Des éthers. Ok. Et cette fois, on va prendre à droite. Parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de boss. Puis un point de sauvegarde, même avant de tout traverser. C'est juste qu'après, je peux pas faire demi-tour. Ah non, pas eux. On a dit non. On va remettre Tender à fond. Où suis-je? C'est bon? J'y arrive. Salut Benjamin, comment ça va? Ça, ça se fait. Ça peut se faire en un coup si on a assez de chance. Du coup, on va défendre. Ah bah, plus maintenant. Oh, quoique, si elle se le fait toute seule. Non, c'est bon. Ça va, ça va. Ah, c'est presque passé pour tout le monde. On va le faire avec avec Tender. Je sais pas pourquoi j'ai fait attaque. Je joue comme un Vanilla. Attaquer, 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 attaquer. 99 LXP, KD, Kokor gagne un niveau. Du coup, Kokor est re, niveau max. Ah oui, en fait, c'est que là, ça descend automatiquement dès qu'on passe en arrière-plan, en fait. Tout va bien. Go down. Normalement, on a le point de sauvegarde juste en dessous. On ne voit pas là. Pas un ennemi angoissant pour finir, non, c'est bon. Ah, quoique. Faut faire gaffe. C'est pour qui? Dis-moi pour qui c'est. C'est pour Tender, ok. Du coup, voilà Tender à jouer. Petite hâte. Par contre, faudrait vite calmer Tender. Faut que ça passe, faut que ça passe. Ça passe pour un sol. Aïe. Ah merde, il a que sa limite, lui. Il a que sa limite. Ben... tu sens un autre. Il y a la mue. Qu'est-ce qu'il dit? Putain, ça rate encore. Déjà, Tender est plus confuse, par contre, Kokor décède. C'est pas Tender qui va raise. En plus, je suis paralysé, quoi. Je crois qu'on va se casser. Ouais, si Kaylee décède, c'est mort. Oh putain, dis-moi que j'ai le temps de m'enfuir, quand même. Tuesant, hein, pour tant qu'à faire. Voilà, parfait. Un dessin animé. Connais pas la mue, une abeille extraterrestre, ça me dit rien, ça. C'est récent comme dessin animé? Hop. Je sais pas pourquoi j'ai fait un 2. Normalement, je devrais pouvoir me passer des éthers, voilà. On va voir si on a du rank up à faire.
Mais que deal. Miss qui rank up, alias Tifa. On va voir ses stats. Bon, je regarderai après. Ah, c'était, ça date du club Dorothée. Ah ouais, bah c'est vieux là. Bon, je regarderai après, ouais. Il ressemble trop. Du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, vitalité, esprit, 107, 118. On va peut-être essayer de monter la vita. Force, dextérité, esprit. Force, esprit, vitalité. Il n'y a rien en vitalité en plus 10. On va prendre ça, tant pis. Hop. Est-ce que j'ai trié mon inventaire? Il semblerait que oui. Alors, beaucoup de force. Un peu de vitalité, enfin de la vitalité. Un peu de magie. Beaucoup d'esprit. Un petit peu de dextérité. Un petit peu de chance. Et c'est tout. Ce soir, je viens chez Max. Ok, à tout de suite. On fera la Life Fiesta. Rank up de Nougat. Magie, dextérité, vitalité. Vitalité 94, esprit 78. Il a pas des grosses stats de défense. Hein. On va essayer de monter l'esprit si on peut. Alors force, magie, non. Magie, dextérité, vitalité, je pense qu'on va faire ça. Alors je fais plus 5 à tout. Ouais, mais je perds le plus 10. On va rester sur le plus 10. Un petit peu de force, de la vitalité. Beaucoup de magie. Je vais pour 19h30, ça te va. J'avais dit que je voulais que tu viennes. Beaucoup de dextérité. Ça passe level 45 au chapitre 8 sur FF15, j'en ai absolument aucune idée. Un petit peu de chance. Je suis que chapitre 5 et niveau... niveau 25-26 ou un truc comme ça. Après, t'as les niveaux écrits sur les quêtes, normalement. Sauf certaines où il y a juste du blabla, éventuellement. Je plaisante beaucoup. On sent que tu te tapes des tripes un peu Cuisine TV. On a bien l'impression. J'aime rigoler, on avait cru comprendre. Ah, KD qui rank up, ça c'est cool. Vu qu'on joue avec lui aujourd'hui. Magie. Est-ce qu'il a besoin de vitalité ou d'esprit? vitalité 105, esprit 127. Hop, l'un ou l'autre. Si on peut même monter les deux. Magie, esprit, chance. Parce que là, la force, on s'en fout un peu. Donc on pourrait faire ça. Magie, esprit, chance. Moi, je sais que sur FF15, à un moment, j'avais un donjon. C'était niveau 19 requis. Je l'ai fait niveau 16. Ça aurait pu passer, mais j'aurais claqué tous mes gros objets de soins. Donc j'ai préféré pexer. Du coup, je me dis que c'est plutôt bien calé. Les levels des quêtes principales sont très bas, je trouve. Ouais, moi je fais quasiment... Enfin, je fais presque pas de quêtes annexes. Parce que sinon, après, je suis overlevel. Bah, s'il est trop bas, tu peux y aller, hein. Y a pas de souci, je pense. Un petit peu de force, un petit peu de vitalité, beaucoup de magie. Beaucoup d'esprit. Il y a juste une fois où je suis allé faire des quêtes annexes, c'est au tout début, mais j'étais déjà overlevel, du coup. Et donc du coup je m'étais calmé et c'est ouais à la quête niveau 19 où j'ai dû pixer un peu parce qu'au final j'avais 3 niveaux de retard. Et ça se sentait. Ok, bus aussi, rang maximum. Vitalité 131, esprit 67. De l'esprit ça serait pas mal. Je crois qu'il a à la fois tank et... Ouais, tank vite fait quand même.
Il est, ouais, il est DPS physique, mais il peut tanker éventuellement. Donc du coup, si on peut mettre de l'esprit, ça serait cool, mais on va privilégier l'attaque, hein, c'est son rôle, c'est de DPS. Force vitalité. Ah, je peux avoir de l'esprit sinon. Bah, peut-être de l'esprit, hein. Même je peux avoir plus d'esprit et de la dextérité à la place, de la chance. On va partir là-dessus. Bah là j'ai un donjon 45, j'étais au level 43 et c'est Yajimbo qui m'a mis dans la mouise. Du coup là je vais pec jusqu'au level 50 avec la quête de photos. Comme ça le donjon il va passer crème. Ouais, n'hésite pas à pexer un petit peu, hein. Il y a de quoi faire pour aller pexer, ça c'est sûr. Ouais, tu prends genre 5 niveaux et tu réessayes. Et ainsi de suite, si jamais ça repasse pas. À moins que ce soit une tactique bien précise et qu'il faut peut-être l'objet de défense qui va bien. Mais dans le doute, ouais, prends des niveaux. Hein. Du coup, élément. Beaucoup de force. Un petit peu de vitalité, un petit peu de magie, beaucoup d'esprit. De la dextérité. Et un petit peu de chance. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres? Ça a l'air d'être tout. Ok, c'est tout. Je ne peux pas enregistrer. Petite tente, page up. Et petite sauvegarde. Après, Yajimbo, il va pas réapparaître, je pense, vu que je l'ai battu. Ah, ok, tu l'as battu, d'accord. Ok. Après, je saurais pas trop te dire. Vu que je suis pas aussi loin. Ok. On va continuer de descendre. On est presque en bas. En espérant pas tomber sur un Xylomide. Ah, eux, c'est l'angoisse. On se casse. Eux, je crois qu'ils nous... Ils nous désactivent complètement. On peut pas revenir. Ah bah trop tard, la fuite est lancée. J'aurais dû attendre de voir qu'il m'en désactive un, ça se trouve maintenant j'arrive à les tuer assez vite. Ce n'est que partie remise. Il y a une technique qui tue en un coup, même si on la part. Ah. Genre ça fait beaucoup de dégâts ou c'est un sort à un stack KO? Merde, je suis pas placé au bon endroit. Je suis perturbé. C'est pour qui? C'est pour Kaidi? Fuck. Oula, j'ai balancé un demi-trois tout. Ça va faire mal. On va mettre une hâte, du coup. Ah, mais avec sa folie, il peut pas lancer le sort, du coup. Donc c'est bon, ça passe. Le wall, c'est fait. Vu qu'on va pas pouvoir compter sur les demi, on va faire des desblows. On va faire un Ezuna sur sur Kaidi dès que Kokor sera plus paralysé. Il m'a mis Gladio avec 4100 de vie tuée. Ok. Ah, c'est des gros dégâts. On va mettre les grosses armures de défense ou de PV. Et vu que je sais pas trop ce qu'il y a à ce niveau, je te laisse le soin de décider. 20 millions de contre-attaques, ça passe, voilà, j'élimine les deux. Du coup, je pense qu'il one-shot. Ah, il t'a fait genre pile les points de vie. Je crois qu'Aidy fait des dégâts minables. Mais je me serais bien soigné. On prend le risque. Oh, ça va, 1400, c'est pas dégueulasse en fait. Bon, c'est un critique, mais. Je pensais qu'il ferait moins que ça. Puis je crois que surtout, il est pas sur la bonne ligne. Non, ça va, il est en arrière. He's ok. Je suis paralysé à nouveau. 400, là, c'est déjà plus minable. Tu vois que Tender, elle met plusieurs 2000. Ah, ça va faire mal par contre.
Parce qu'il va y avoir besoin de res, 1517. Ah non, ça passe. Flair, je crois qu'elle est... C'est plus glace. Sans grande conviction. Le tour de cocor, il vient un jour. Soit perso, du coup. Alors ne fais pas une confusion sur cocor qui va te faire balancer un cure 3 sur ta gueule. Ça serait cool. Il a plus de 100 en def, mon Gladio, avec le bouclier en orbe secondaire. Ok. J'ai pas vu le flair ce qu'il a fait. Ah mais merde, elle lance des fire, elle. Est-ce que je l'aurais pas soigné? Avec mes conneries. On va lancer un fire simple, dans le doute. Ok, ça rate. Bon, en tout cas, c'était pas raté vert, donc je pense que c'est bon. C'est pour qui, ça? T'as la caméra, merci. C'est pour Kaylee. Faudrait remettre le wall. De toute façon, c'est bon, on a sauvegardé il y a pas longtemps. Si on décède, c'est pas grave. Elle a pris 3100 de dégâts avec le flair. Ok, bon, on va continuer là-dessus. Merci, Benjamin. Ah, je me suis dit, vu qu'elle balance des Fire 3, faudrait pas qu'elle l'absorbe. Cure 3 sur tout le monde. Après, est-ce que c'est le plus efficace? Ok, c'était une magie de décès. 136 000 d'XP, 1300 AP. KD et Tender gagnent un niveau. On va replacer les gens correctement. Voilà. On va redonner... Putain, les... Ça a été gourmand en éther, là, ce combat. Ah bah oui, elle a lancé des sorts qui lui enlèvent 400 MP, forcément. Ça vide bien la barre, forcément. Ça va coûter cher en éther. Cassez-vous tant que vous le pouvez. Oh merde, y'a personne qui résiste au slip. Je crois que c'est le game over là. Direct. J'ai ma PS4 mercredi et j'ai déjà 22 heures de jeu, voire plus. Ça va. T'as bien farmé. Je dois être une vingtaine d'heures, moi aussi. Bon, après, moi, je prends mon temps. Hein. C'est le décès. Ouais, c'est le poison qui m'a achevé. Bon, on va en mettre au moins un qui est protégé à ça. Pour qu'on puisse sortir de cette zone. 76-34. Par contre, je pense pas que j'ai l'objet pour ça. Ah si, Sleep Darkness. On va le donner à qui? On va le donner à Cocor. Headband, est-ce qu'on en a d'autres? Ouais. Bon, on en a trois. Voilà, trois headbands juste pour traverser. Au cas où on retombe dessus. C'est pas même combat. Et j'ai pas replacé les gens. Ah, c'est pour qui? C'est pour Kaylee. On va faire Ezuna tout de suite. Quoique non. On va faire la hâte déjà. C'est pas lui qui va nous mettre des gros dégâts. La critique, boum 2000. Ah. Du coup, bah rien du tout. Ah oui, c'est le Ezuna que je voulais faire. Tac 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 tac.
des blocs. Mais... c'est le fait de la magie place à miroir. Comme c'est qu'après avec miroir je pourrais plus me soigner. Et pour les dégâts qu'on va lui faire. J'aurais plus vite fait de lui balancer des sorts sur la tronche. Un petit soin. Ah, ça va faire mal par contre. Sachant qu'on n'a pas les barrières. Ça, je suis même pas sûr qu'on peut le renvoyer ça. Les talents de l'ennemi, je sais pas si ça se renvoie au miroir. Ça va, ça pique. Par contre, elle riposte. Ça doit être son attaque finale, ça. Ah non, même pas. Faut qu'elle se calme, là. Calme-toi. Par sécurité, petite taille potion. C'est bon. Le cure 3, si tu veux bien ce coup-ci. Merci Tender pour ta riposte. Non, pour ta cover. C'est vrai que Cocor a bien besoin de gagner son XP. Sur FF15, fais les quêtes de photos, elle rapporte beaucoup d'XP pour ton level et aussi beaucoup d'argent. Mais je suis déjà over level, c'est bon. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. J'ai fait la première quête de Jack Black. D'ailleurs, replaçons les gens. J'ai un doute. Non, si, c'est bon. Du coup, Life 1, Écure 3, Écure 2, Écure. On va y arriver. Un petit peu d'éther pour Kaylee, peut-être. Quelle heure il est ? 11h, ok. Allons-y. On a les protections au dodo, c'est exactement les mêmes endroits, je sens qu'on va avoir exactement le même combat. Ah bah non. On a changé la RNG. Le demi-3 s'il te plaît. On t'achèvera celui-là tant qu'à faire. Hein. Je crois que tu vas le tuer même. Hein. Voilà. Non, même pas. Bah pas vraiment en fait. Contre Titan j'avais 15 levels d'avance et il m'a quand même mis mal. Oh bah ça va. Ça s'est bien passé. J'ai rien compris à ce qui se passait mais ça s'est bien passé. XP, 900 AP. Du pognon. Et calmez-vous. Laissez-moi faire 20 mètres. Bon, ça va, c'est pas le Xylomide. Alors, c'est pour qui? C'est encore pour Kaylee. Kaylee est la cible. Merci Kaylee, de te dévouer. C'est pas une régène, tiens.
Et après, on s'occupe de la folie de Kaylee. Affronter le griffon, j'étais au deuxième truc pour Ramu, il est apparu et la musique de boss était perdue. Ouais, je l'ai eu aussi, mais du coup, je me suis cassé. J'avais pas le level pour l'affronter. Cure 2, cure 2, cure 3, cure. Ezuna. Je vais y arriver. On va y arriver. À 53 c'était. Ouais, j'étais pas loin. C'était beaucoup trop haut pour moi en tout cas. Je suis totalement paumé dans ce que je fais. C'est parce que pour une fois j'ai pas besoin de soigner donc ça me perturbe. Voilà, je suis paralysé, au moins c'est vite. On va faire le demi-3. Vu qu'il reste encore des petites bêtes volantes. En fait, c'est surtout que Tender est paralysée en permanence, du coup elle se débarrasse pas des ennemis. C'est pur ça. On va lancer un Bolt 3. Ça va taper l'autre, elle va se soigner, voilà. Et on peut balancer des patates. J'ai presque envie de tester un freeze en fait. Je crois qu'on a plus les barrières. Ça fera un petit peu cher. Franchement, level 40, il est largement possible. Ouais, mais moi, je devais être 23. À ce moment-là. Wall. Faut juste gérer la vie des autres. On va tester le freeze, du coup. Et un Quake. C'était combien? C'était 3000 les flares, c'est ça? Oh, pareil. La même. Par contre, ça va être le dernier que je vais lancer. On va lancer un break, tu vois. Pour voir. 3000 aussi. Il doit pas être sensible à un élément particulier. Il reste plus que le tornado, éventuellement. Mais j'aurais pas assez de mana. Ah, j'ai pas osmose? Sérieux? Bon, bah j'ai pas osmose, très bien. Allez, attends, on va voir sur qui c'est parti, ça. Sur Kaylee. Sur Tender, du moins. Ah, ça peut faire mal, là, par contre. Bon, allez, lance ta limite. Comme ça, t'auras l'attaque de dispo. Juste bien gérer la vie des autres et utiliser le regroupement d'Ignis. Quand les 4 sont... midlife à peu près. Je suis vu un boss serpent, j'ai pas tenté mais je vais retourner. Le boss serpent, ouais, l'espèce de zolom, il y en a un. C'est où qu'il est? C'est vers la grotte de Greyshire. Là où tu récupères l'une des premières armes fantômes. Voilà. Troisième, je crois. La fameuse quête du level 19 que j'arrivais pas à faire. Ah, j'ai un duel. Ah, mais tu ne régènes. Ah. Bon, c'est pas son truc de fin, ça. Ouais, ça va être un petit peu léger en PV. Je sais pas si la régène suffira au final. On va juste empêcher les PV de Kaylee de tomber. Peut-être finir par décéder un jour. Bon, pas grâce à Kaylee, sauf beaucoup de chance, elle avait plus de vie. Ah, ça rate. Elle lance 2 attaques par tour. Au calme. Le cœur 3 qui arrive un peu tard.
Enfin, je prends trop cher. Ah bah c'est bon. Ah, le live 2 a pas eu le temps, dommage. Là où je l'ai vu, c'était vers la grotte de glace, je crois. Ouais, c'est ça. La grotte de Greshire. Tout à... à l'ouest de Luskay. 136 000, counter-attaque. Cover qui gagne un niveau. Bâton de sorcier. J'ai plus de mana. On va claquer les éthers quand même au cas où. Pour le prix que ça coûte maintenant. Bon, laisse-moi faire 20 mètres, s'il te plaît. Encore 20, c'est peut-être un peu trop. J'en demande peut-être un peu trop. Ok. Bon, on a réussi à descendre, c'est bien. En une heure. Sauver la partie. Maintenant, on va faire ce pourquoi on était venu descendu. Tout va bien se passer. Oui, parce que de toute façon, là, c'est un point de non-retour, donc autant l'écraser. Quête de photons gagne 10 000 gil par mission, ça va. C'est pas mal. Est-ce que c'est là? Oui. De toute façon, je crois qu'on peut reprendre qu'un chemin pour monter. Bon, on va espérer qu'il n'y a pas de grosses armures. On va se mettre bien à fond. Une potion qui sert à rien. Ok. J'y crois à mort. Ok, donc il faut un King Behemoth. Normalement, c'est dans cette zone qu'on les trouve. Je vais pas trop m'éloigner parce que ça serait con qu'on y arrive et que je me fasse déglinguer après par une armure. Je pense qu'on va sauver... Ah bah voilà, parfait. Normalement, c'est lui. On va vérifier. King Behemoth, voilà, c'est lui. Donc on doit le tuer. On doit... Oh putain, il a pris 6900. Ça commence très mal. Faut que je m'ouvre un petit fichier Excel parce qu'on va noter les dégâts parce qu'il va falloir le tuer et le morph. Ce qui va être angoissant vu les dégâts qu'il me fait. Il me fait plus de dégâts que le boss, j'ai l'impression. Donc, je vais juste m'ouvrir un petit Google Sheet. Et on va noter les dégâts pour savoir combien de PV il a. Parce que je pense qu'il en aura plus de 30 000. Ah, quoique, on peut tester. Ah ouais, on peut le sense éventuellement. Mais je crains qu'il soit de la 30 000. Non, je voulais pas ouvrir ce document-là, je voulais ouvrir un nouveau. On va le mettre en tout petit. Hop. Vérifier vite fait 2-3 choses, voilà, sur la connexion. Hop, hop. Du coup, il y a un Behemoth dans le désert au départ. Hein? Ouais, mais c'est lui qu'on doit tuer, enfin je sais pas. Salut Retran, tu vas bientôt finir le stream, je demande parce que ces derniers temps il y a un souci de timing. Il nous reste à peu près 3 quarts d'heure Retran. Comment ça va sinon? Hop. Bon, toi t'es morte, donc ça sert à rien que je choisisse quelque chose à faire. Ça va, il nous met un peu moins cher sur ce coup-là. On va faire un live de direct et on va commencer à faire les dégâts. Du coup, je sais pas ce qui va bien, on va tenter un break. Ça va, ça va. Putain, je prends tellement cher. Mets juste une barrière. Pour voir. 5200. Alors par contre, faut que je note avec ça. Hop, 5200. Allô? Tu veux écrire dans la case? Oui. Hop, alors en plus il va y avoir les contre-attaques, ça va être sympa à faire. Ça qui fait mal. Ah non, ça va. Celle-là, ça passe. 473. 473. Deux fois. Ok, le cœur 3 qui passe. Hop. 4... Ça ne fait pas prendre la case à chaque fois. Voilà, 473. 473. S'il a moins de 30 000 PV, on aurait plus le sense, mais bon, ça va, ça ira vite. Si on a des millions, ça va être chiant. Pinoël est passé au niveau casque, ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Hop. Après, il manquerait plus qu'il se soigne. Oh là là, oh l'angoisse. Météo Rain. Je pense que je devrais même pas le lancer. 1263. Ah, ça va être chiable. Je pense qu'on va juste compter les nombres. Je vous invite à compter avec moi. Et la valeur, bah, j'espère qu'il n'y aura pas de critique. Sinon, ça va être l'angoisse. Attention. Angoisse. Je vais pas y arriver. Il y en a eu à peu près une dizaine de 600. Il y a eu un coup critique, on va dire, on va le compter pour double. On va dire qu'on a fait 6000. Mais c'est chaud. C'est hyper chaud. Bon, déjà, il a plus... Non, il a pas dépassé les 30 000 encore, ça va. Ah, par contre, Comet, c'est un sort. Donc peut-être que la barrière magique ne sera pas été déconnant. Ah ouais, je vais prendre tellement cher, en fait. Bon, du coup, Tender redécède, mais ça, ça devient une habitude. On va faire une queue de phénix, si on a le temps. Si je les trouve. Si je m'engolisse pas trop. Je pense qu'on va mourir. Hein. Voilà. Bon, on pensera... On pensera. À la barrière magique. La sécurité qui va servir à rien. Oh putain, je survis à ça? Alors je vais faire le wall, mais du coup on va résister aux soins. Si j'ai le temps de le lancer. Oh putain, pourquoi t'as paré? Pourquoi t'as cover? On va mourir, on saura même pas combien de PV il a. Merci Kaylee. Merci Tender de te sacrifier. Ah, tu survis. 473. 3. 5. 6. 8. C'est combien j'ai dit? égal. Oh putain, ça va être tellement angoissant quoi. On va... On m'entend plus, voilà. Ok. Les strats de l'angoisse. Putain, le flair, c'est pour qui? Dis-moi que c'est pour Kaylee. C'est pour Kaylee. Bike. Putain, le Ace 3. 1500. Hop. Il est toujours en vie. Okay. Tender, ça lui soigne presque rien. 5500. Attends, on va enchaîner pas trop vite. 5500, on m'entend toujours, on me voit toujours. 800. Ok, on en fait pas d'autres. Si je fais des 100 de dégâts aux morphs, on va en chier. Hein. Surtout qu'en plus, là, ce que je rentre comme valeur, c'est très approximatif. C'est limite, faudrait mettre les valeurs pile. Cocor, il va faire un soin. Global. Pour peu que j'ai loupé un dégât. Pour l'instant, ça va, on survit, on a les barrières, on n'est pas trop dégueulasse en vie. Est-ce qu'on a les hâtes au moins? 5342. Même pas. Faut que je reprenne le focus de la fenêtre sinon ça marche pas. 5342 et Tender nous rajoute 892 et c'est tout. C'est déjà pas mal. Je commence à avoir 14 lignes là. Non, 13.
qui a une hâte. Un Desblo. Hop. Ça peut peut-être se trouver ça, alors, le point de vie, mais bon. On va voir si on s'en sort comme ça. Oh putain, il s'est soigné. Oh, il a déjà fait bite, alors il l'a fait deux fois, je crois. Donc je peux retrancher 1400, je pense. Oh là là, l'angoisse. J'ai dit, ça va être la merde s'il si y a des soins. Bah, il y a des soins. 908. Est-ce qu'on va arriver à le battre au moins un jour? Le stream du calcul, ouais, c'est ça. Des blows. Quoique, il y avait peut-être un petit wall à faire sur Kaylee. Ah, ça rate. Au moins, ça fait une valeur de moins à marquer. Bon, est-ce qu'il se soigne sur ça? Je pense pas. Il n'y a que sur les morsures qu'il se soigne. Bolt 3, par contre, il y a une riposte, voilà. 1288. Le lambda calcul. Hop. Attention à les ripostes. Ou non, ce sont des blocs classiques. 916. Ok, 916. Hop. Du coup, on va refaire des brûles. On va faire un régen. 5342. Il y a combien de points de vie? Attends, je vais regarder. Je vais faire une petite somme déjà. Égal. Somme. Tac. Hop. N'hésitez pas à calculer chez vous. Pour l'instant, il est 50 000 PV, donc on peut pas le sense donc pour savoir où on en est au cours du combat, donc ça va être l'angoisse. On aurait pu, ça aurait été cool, comme ça on savait en temps réel à combien il était. Mais là, on peut pas, donc je vois pas comment on peut faire autrement. Je crois qu'il y a un des gars que j'ai dû marquer, là. Ça balance le flair sur Tender, on n'a pas les barrières, tout va bien. Ah bah ça rate, parfait. Bientôt, j'aurai plus de mana. La régen. Un break pour 5422. 5422. Hop. Je ne sais pas quoi faire. On va faire un quake. 914. Hop. Je sais pas si Zangwen s'est embêté pareil à faire le calcul. Parce que demi, je pense pas que ça passe chez lui. Hein. 2610, faut que je note. Ah, c'est nouveau ça, King Teal. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? 2610. Dites-moi que c'est la fin. Non, ça n'a pas l'air exceptionnel son attaque. Ah, par contre, il s'est soigné de 1345. Je veux juste voir s'il craint gravité. Si ça peut permettre éventuellement de savoir, genre on enlève le quart de la vie, donc il a encore tant de PV. Ça fait aussi une attaque qui fait des dégâts sans le tuer, sauf s'il est sensible. Donc je vais vérifier quand même. Je trouve ça faire 0, voilà, formidable. Merci d'être venu. Bon, on va faire du quake. Hein. 466. x2. Ok. Même si c'était pas 466 les deux fois. On va faire une petite approximation. 466 x 2, on me voit, on m'entend toujours, c'est parfait. Merde, je fais défendre. 2606. Est-ce qu'il va mourir un jour? Et après, il va falloir faire le calcul pour savoir combien il lui reste au prochain combat, quoi. Il va falloir qu'on compte ce qu'on lui enlève au fur et à mesure. L'idéal, ce serait de le tuer sur une petite attaque, comme ça on sait, on a une petite fourchette de ses points de vie. Mais bon, si on fait des petits dégâts, bah ça fait plus de chiffres à ajouter et ça met plus de temps pour le tuer.
Du coup. Ça le soigne, ça? Putain, ça le soigne. Et j'ai oublié d'en compter un tout à l'heure. Il avait pas fait un soin 1300. J'ai peut-être pas compté. Et là, j'ai oublié la valeur, on va dire 600. J'ai dû en oublier quelques-uns. C'est pas bon, ça. Si j'en oublie le même nombre de chaque côté, ça va. 934. Salut, Neko. Comment ça va? La lève tard. 934. Attends, je vais quand même faire un petit test. Petite recherche Google. HP King Behemoth. Mais déjà, je pense que là, on trouvera pas ce qu'il faut. FF10, non. F7. Ouais, F7, ça. Ah non, c'est rank 7, d'accord. Rien à voir. On va taper FF7, tant qu'à faire. Ok. Vanilla. Vanilla, il a 18 000 HP, donc on est à des kilomètres de ça. Donc, on va taper New Threat avec, si jamais quelqu'un a mis la valeur quelque part. Puis après, faut trouver aussi une valeur qui est à jour, parce qu'avec les mises à jour et les réajustements, ça se trouve, il n'aura pas la valeur que je vais voir. Taper Morph. En général, c'est pour ça que tu veux savoir pourquoi, combien il a de points de vie. Je vous abandonne à tout. Ah bah, ça valait le coup d'arriver à l'heure, être. À très bientôt, des bisous, merci d'être passé. Je vois que ça en parle. Oh! Ah non, ça c'est Protorot. On va faire CTRL F. BMOS. C'est pas écrit, malheureusement. C'est juste qu'ils disent que c'est bien galère. La date du 27 juin. Ah non, attends. Un petit message du 26 juin qui dit qu'il va faire en sorte que ce soit plus facile de les morph. Bah, j'espère que c'est le cas, mais pour l'instant, je sens que c'est un peu la galère. Ok, ah, ça va. Ça va, tranquille, on va galérer, je sens. Ah, Byte, donc ça veut dire qu'il va regagner des HP. Il en regagne. 1700. Mince, on a plus les barrières. Voilà, 1757. Ou 75, je sais plus. 1757. Les approximations. Ice 3 en riposte qui fait 1469. On va y arriver ou pas. Je le sens tellement pas. À 1408, est-ce que tu meurs au bout d'un moment? On a dépassé les 50 000 HP déjà. 5048. La question c'est aussi combien je vais faire de dégâts avec Morph. 905. Calmez-vous, laissez-moi le temps de noter.
Heureusement qu'on peut mettre sur pause. J'espère qu'il fait pas une deuxième phase comme le boss aussi, sinon ça va être angoissant. Hop, je vais vérifier ma connexion, tout va bien. Qu'est-ce que je me suis lancé dans les armes multiples? Là, tu es situé où dans le jeu? Bah, à la fin. À la fin du jeu. On essaye de récupérer les armes et les limites ultimes. Faut que je fasse vite un wall. Avant qu'on décède tous. Je sens que Cocor va décéder. Ah ouais, formidable. Ah, enfin. Par contre, on a fait un gros dégât sur la fin, donc ça va nous faire une fourchette de 5000 dégâts. On y croit. 5266. Hop. Il me dira les PV grand calculateur, oui. On les a. Alors, 5266, ce qui veut dire, hop, si je fais la somme de ce qu'il a pris en dégâts, ça nous donne, hop, 81 529. Et ce qu'il a pris en soins, par contre, là, on a peut-être pas forcément tout. Les soins, ça fait 5057. Je crois qu'il en manque. Ça craint. Et du coup, on va vouloir lui faire trop de dégâts et le tuer prématurément. Et si je fais la différence, ça fait ça. Je sais pas si on me voit toujours. Moins, le moins, il est où? Là. Ça. Ça fait 76 000. Et si je fais 76 000 moins le dernier coup qu'il a pris à 5622, on peut supposer que ces PV sont entre 71 206 et 76 472. Autant dire, on va en chier. Tac. C'est une grande fourchette. Et en même temps, c'est pas plus mal comme ça. Ça veut dire qu'on va se faire d'abord 71k dégâts. Et après, on fera des morphes pour y aller tout doucement. Ok. Bon, je pense qu'on va être obligé de faire le calcul pendant le combat. Si on fait de tête, on sera trop approximatif, je pense. Puis avec les soins et compagnie, j'ose pas en dire au millier près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une case somme ici tout près. Hop. Et on rentrera les chiffres sur cette colonne. Ok. Donc normalement, on devrait avoir une des armes là. Ah, Cocor est mort, de toute façon, il est full level. 224 500 d'XP, 5000 AP. J'espère que c'est pas bugué qu'il va nous le donner l'objet. Et qu'il n'y a pas un taux de loot. Complètement random. Laissez-moi regarder un truc. Ouais, ok. Je vais juste réduire ça. Ah mais non, mais je verrai pas les PV sinon. Bon, tant pis. Je verrai pas. Tiens, je vais le mettre là. Voilà. Hop. Parfait. Une organisation. Ok. Il faut que je me fasse une colonne de heal aussi. Et puis une colonne différence. On va faire ça bien. Tac. Moins. Tac. Voilà, comme ça j'aurai ses PV actuels. Ok. Le Behemoth Horn, donc c'est l'un des premiers objets qu'on avait besoin. 200 000 joules. On se casse. On va save le premier objet. oui, par exemple. On va raise les gens. Élément. Phoenix Down. On va soigner les gens. Éléments. Éther. Va falloir en racheter bientôt. Il nous faut une matéria morphe.
Oh, le problème, c'est qu'il va y avoir les contre-attaques. Et les contre-attaques, ça va être des risques de le tuer prématurément. La question, c'est est-ce que je vire les contre-attaques, sachant que ça représente un DPS intéressant? Parce que si j'y vais qu'au break, les breaks, c'était combien? C'était des attaques qui faisaient 5000? Faut que je lance 14 breaks. J'aurai jamais assez de mana pour ça. Est-ce qu'on prend le risque? Ça veut dire qu'après, il va falloir faire des osmoses, des terres turbo. C'est l'angoisse, quoi. La question, c'est aussi combien je fais de dégâts avec Morph. De toute façon, on va refaire le compte, et si on peut avoir peut-être un compte plus précis, ça peut être pas mal. Ah ouais, toutes les contre-attaques, ça va foutre la merde, ça. Ça va tellement foutre la merde. Parce qu'on fait beaucoup plus de contre-attaques que d'attaques. après, on peut peut-être compter sur le fait qu'elle se fasse pas attaquer. Et que ce soit... On va lui enlever la cover, déjà. Ah, mais ça veut dire moins de DPS aussi. On va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Putain, mais en plus, non, il y a tout le monde qui contre-attaque, même Kokor. Il fait un Bolt 3 en riposte. Ou ce qu'on fait, c'est. KD, il envoie les 5000 et les autres balancent des éthers. C'est une autre solution. Je crois qu'on va faire ça. Donc. Command counter des blows, on oublie. Telle est la question. On perd tellement de DPS en faisant ça. Ah, je fais 5000, donc je peux faire éventuellement un MP turbo plutôt qu'un MP absorbe, mais ça me coûtait plus de mana. Mais au moins, ça permettra d'aller plus vite au résultat. Peut-être trop vite. Du coup, il me faut un morph. Est-ce que je peux combiner un morph, quelque chose à morph pour qu'il soit plus puissant? Je pense pas. Parce que à dead cut, ça veut dire que je vais lui mettre un coup derrière et du coup, bah, ça risque de le tuer mais sans le morph. Ce qui est complètement con. Je pourrais lui mettre une attaque élémentale mais je sais pas quel élément il craint. En gros, c'est l'angoisse. HP plus, cover. Cover, ça peut. C'est un risque qu'elle se fasse tuer, mais ça peut. Magic Counter, on enlève. Magic Counter, on enlève. Et à la place de MP Absorb, on va mettre le MP Turbo. Ça va juste coûter un prix abominable en mana. Mais ça ira plus vite. On va lui mettre heal, éventuellement, si la situation l'exige. Voilà, on a 996 MP, ça devrait le faire. Ok. Bon, il n'y a plus d'autres ripostes, c'est bon. On a tout viré. Éventuellement, je peux faire un lightning en MP turbo aussi, si j'en ai un autre. Normalement, oui. Il ne sera pas aussi violent que le premier. Ok, est-ce que j'ai moyen de lui renforcer ses dégâts? Pas tellement, hein. À part lui virer des matériaux. Bah, du coup, est-ce que la magie, ça serait pas mieux pour elle au final, du coup? On peut lui laisser le Death Blow. Comme ça, au pire, elle fera des critiques. À défaut de faire beaucoup d'attaques, elle fera des attaques qui font mal, si ça proc. Mais après, voilà, je vois pas comment je peux bien booster ses dégâts. Avec des matériaux jaunes, si. Dextérité, force. On va lui mettre un Death Blow. Dextérité. On va lui mettre de la dextérité, comme ça elle tapera plus souvent et elle enchaînera ses morphs plus vite. Ah, j'ai pas d'autres trucs qui donnent de la force?
Les contre-attaques, ça donne de la force, mais ça donne aussi une contre-attaque. En toute logique. Bon, bah tant pis. Bon, bah dextérité plus 2. Alors, juste plus de vitesse. Pas des masses, mais elle aura plus. Ok. Bon. On va y aller comme ça. J'y crois pas du tout. Déjà, mon compte, mon décompte, il a l'air tellement faux rien qu'avec Météo Rain. 76, 55. Surtout qu'en plus, faut pas que je parte trop tard. Et Kokali observe la réflexion de Kokor. Bon, Neko, je t'ouvre à... Je t'ouvre... Non, pas tout de suite. Je t'invite à ouvrir un fichier Excel et à compter les dégâts avec moi. Ok. Ah, est-ce qu'on se mettrait pas tous en triste? Chose que je fais jamais. Ou est-ce qu'en furie, je ferais pas plus de dégâts? Je vais revoir les effets de fureur. Statue anormaux, FF7. Sommeil, silence, poison, confusion, folie, fureur. La jauge de limite du personnage monte deux fois plus vite, mais la précision et l'attaque et pourcentage d'attaque magique de ses actions baissent de 30%. Ah ouais, mais on risque de les louper. Et c'est juste la jauge de limite. Bon, on va s'en passer, hein. Bah, on va mettre au moins tristesse pour subir moins de dégâts. Parce que les limites, ça va dire que Kokor il va faire Météorine plus souvent et du coup on va encore plus pas savoir où on en est côté dégâts. Grosse angoisse. La réflexion, le retour. Ah bah FF. New Fred, c'est le jeu de la réflexion en permanence. Plus de temps de préparation que de combat. Ok. Oh non, pas lui. Cassons-nous, heureusement on a sauvegardé. Oh, Kokor a survécu. Thunder a survécu, mais ça, je crois que c'est grâce à défense. Hein. Ah bah, Kokor mort là. Forcément. Ce n'est pas grave. On a de quoi se remettre. Un jour, il va falloir acheter des éthers par contre. Ce jour sera peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Ok, on est tous à fond. J'y crois à mort. Il y a une calculette sur la 3DS. C'est pas lui. Au pire, un level, ce sera peut-être pas trop fou. Bon, pour 10 MP. On va pas avoir le temps. Hein. J'annonce. En gros, c'est moins de baston, plus de réflexion. C'est ça. Putain, on va pas avoir le temps, fais chier. Foutez-nous la paix. J'ai presque envie de prendre un lore et demi pour voir les combats plus vite. Il me semble qu'il n'y a pas de calculette. Fuck. Merde. On va aller en bas aussi. Ah mais j'ai le téléphone. Ah mais le téléphone ça va tellement être l'angoisse si je fais une faute de frappe. Putain, il va plus pop. Ouh, il a pris cher.
Turbo dans la limite de Tender, qui a une attaque à dégâts fixe, enfin fixe, en une seule, un combo d'un seul hit. C'est pas du multi-hit, c'est déjà ça. Mais bordel, on est tombé du premier coup tout à l'heure. Fous-moi la pep, ton berry. Garde-le, ton ruban. On n'en veut pas. L'application Google dessus, t'as qu'à chercher calculette. Il me fallait un truc simple, mais le problème d'un truc simple, c'est que je vais faire des erreurs dessus. Alors que Excel, je suis sûr de pouvoir faire CTRL-Z si ça se passe mal. Toujours pas. On découvre tout le bestiaire. Snapchat. Ah, c'est tout raté. Sérieux. Il est sérieux. Bon là on peut dépenser un éther, j'ai perdu 100 MP. Il n'y a plus que 31, faut faire gaffe, faudrait qu'il tombe bientôt le combat. Ils sont sérieux. Tu vois qu'il va me réussir à me tuer. Non, il est sérieux. Putain, game over en cherchant un combat, quoi. Et comment le truc que je recherche, c'est une grosse bête à quatre pattes jaune. Bon, l'avantage, c'est qu'on aura récupéré nos éthers. 117.01. J'espère que je suis bien équipé, par contre. Ça a l'air. Oui, je suis avec des matériaux jaunes, c'est que c'est bon. Alors, on était allé là-bas. Peut-être que... C'est ce qu'on vient d'affronter, hein, Neko, c'est exactement le même. Pas ce qu'on vient d'affronter. Voilà, c'est lui, c'est ce qu'on avait calculé. Alors, bon là, il n'y a pas de riposte, il n'y a pas l'angoisse des ripostes. Par contre, on va prendre plus cher. Magic Wall. Ok, KD, il attaque par un break. Ne décède pas, il décède. Du moins, elle décède. 8200. Ah, ça va aller un peu plus vite. Ah, on peut l'avoir en 10 attaques. Par contre, ça veut dire que... ça veut dire que... J'ai noté ça déjà. Ça veut dire que... Je vais y arriver. C'est-à-dire que du coup, ça rétrécit la fourchette pour le morph, mais bon, on pourra faire des plus petites attaques avec d'autres. Laisse-moi le temps de mettre les barrières. Et me soigner aussi, accessoirement. 8334. Hop. 8334. 4, ce qui nous fait ce qui nous fait 16 000. Ah, attention, il va récupérer 1450.
Hop, ce qui nous ramène à 15 000. On va lui mettre un slow, il se soignera moins vite. Just do it. 8002. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai bien le morph? Oui, ah, faut qu'on voit combien de dégâts on fait avec morph. C'est intéressant. Bon, non, on verra. On aura la surprise à la fin. Ça sera plus drôle. On n'en a pas spécialement besoin pour savoir combien de dégâts, enfin, pour lui faire les premiers dégâts. Alors, est-ce que je me risque à faire assez de dégâts pour aller dans la fourchette, ou est-ce que j'y vais tranquillement jusqu'au début de la fourchette? C'est la question. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Le wall, c'est fait. Bah, il n'y a plus qu'à taper. Il est ralenti, on va se mettre une régène. Par contre, je crois que Tender est plus accéléré. Mais bon, vu que c'est pas elle qui fait le plus de dégâts pour l'instant, vu qu'elle nous embête plus qu'autre chose à faire marquer des chiffres dans le tableau, c'est pas dramatique. Je préfère compter sur qu'il... Ah, par contre, faut... Ah oui, faut lui donner des MP. Donc là, on va attaquer ça avec... On va attaquer ça avec... Avec Tender. La régène. Et les éthers. Pour Kaylee. 7948. 7948, ce qui nous amène à 31994. C'est de la haute précision. La régène. Ok, un soin encore, ça serait pas trop. Oh merci, Coco. Tender. Bah, on va continuer les éthers. Hein. Ah, raté. Au moins, pas de note à prendre. Bon, ça nous arrange pas forcément. On aimerait en finir vite. Ça soigne pas, je crois. Ah si, ça soigne beaucoup même. Ça va être très chiant. 1372 de soins. On repasse à 30 000. 8022. Ah, une morsure va re-soigner. Je crois qu'on va se mettre dans la fourchette à chaque fois, parce que sinon, avec les soins, on va jamais y arriver. A voir combien fait le morph. Je sais plus ce que je dois faire. Ah, on va donner des MP à Kaylee parce qu'il y en a plein. 1568. Putain, j'espère que le morph, il fait au moins 1000 dégâts. Qu'est-ce que je voulais faire? Un éther. C'est au-dessus. Wow. Ah, j'ai plus les barrières. D'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a que Tender qui les a. 7988. On est à 45 000. On est plus qu'à 30 000. De la limite basse. Je lance un sort, je sais plus ce que c'est, je le lance. Ah, j'ai plus assez de MP. 1174, est-ce que c'est un soin? J'ai pas l'impression. Heal, osmose. Bon là c'est des MP, on s'en fout. On va pas tenir le compte de CMP. J'ai plus ma régène. Ah mais je crois que j'avais même pas le temps de le lancer, que j'avais décédé. Ok, on break. La barrière, il y a... Elle, elle va perdre son wall. 8006. Un petit soin. Ok, on est à 53 000. On break. Ça change rien. Ah ouais, elle avait pas son wall en même temps. Ça fait mal. Putain, les soins minables. Ah oui, c'est un cure 2 en même temps. Go balancer un gros cure 3. 8262, je l'ai vu juste à temps. On doit plus être trop loin. 61 000. On peut en lancer un et on sera dans la fourchette.
Ou alors on le tue. C'est une possibilité aussi. On va vérifier que Tendor soit bien sous hâte. Me décède pas par contre. J'ai plus assez de mana. Donc on va faire un osmose à nouveau. Ah bah, ouais non, on n'avait pas assez. les walls, faut que je les remette pour les deux. On va vérifier les hâtes. Ok, il manque celle la plus intéressante qu'il doit l'avoir. Claw, ça soigne pas. Il me semble qu'on avait le droit à un dernier break. Sinon, ça le tue. C'est soit ça, soit ça, c'est ça, soit... Si ça le tue pas, ça peut être sympa. Enfin, si ça fait des gros dégâts, mais que ça le tue pas, ça peut être sympa. Ça veut dire qu'on aura moins de morphs à faire. Donc c'est parti pour les morphs. Ne meurs pas. Il est mort. Oh l'angoisse. 8182. On était à 69 000. On était bien en... on était en dessous de la fourchette. Donc là, on avait surestimé ses HP. Ok. Bah c'est pas grave, on va se faire une nouvelle fourchette. On va complètement effacer le résultat précédent. Tac. Voilà, puisqu'il était complètement faux. Donc, ça veut dire qu'il a entre 69 000 et... moins le dernier dégât qu'il a pris, à savoir 8182. Il a entre 69 000 et 61 000. Bon, je penche plus du côté maximum de la fourchette. Mais en gros, c'est ça. Eh ben, on n'a plus qu'à refaire. Mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Donc du coup, on se fera ça la prochaine fois. Alors, je sais pas. Normalement, on est censé changer l'équipe. J'hésite. Parce que si on fait beaucoup moins de dégâts, ça veut, oula. Ça veut dire que bah, on va mettre plus de temps à y arriver. Moi, je pense que ça sera pareil. On changera l'équipe. 22 000, 224 000. On aura peut-être même des meilleures limites, sachant que celle de Kaidi sert un peu à rien. Mais je pense que j'ai peut-être surestimé peut-être le météorine ou un truc comme ça. Du coup, Poison gagne un niveau, enfin passe maître et du coup on en crée une. Kaidi et Tendor gagnent un niveau. 5000 AP, 200 000 Gil. Ok. Donc on va se garder ça pour la prochaine fois. Je vais me garder le document Excel de côté. Save game. On va rester là, du coup, j'aurais pas trop de prépa à faire. 77 minutes, ouais. Voilà. Donc du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez aimé faire du Excel avec moi aujourd'hui. Du coup, je vais vous donner le programme. Je remercie ceux qui étaient là, évidemment, et ceux qui regarderont la rediff. Je vous donne le programme, les votes, et je vous laisserai avec un petit host. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Je rappelle qu'il y a un vote pour savoir si on poursuit la série sur FF7. Donc c'est le troisième des votes que je viens de vous envoyer. On va faire un petit point là-dessus d'ailleurs. Pour savoir si on continue la série ou si on passait sur un autre jeu. Donc pour l'instant vous êtes trois à vouloir continuer. Je vous laisse jusqu'à mardi, comme ça fera une semaine. Je vous laisse jusqu'à mardi pour faire votre choix. Voilà. Sinon quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve demain à 14h. Pour le premier live de l'année. Bonne journée et bonne année. Bonne année à toi aussi, Neko, et bonne journée. Merci d'être venu. Pardon, c'est sorti. Donc live de gameplay demain à 14h. Je vous proposais du Metal Gear Online, du Final Fantasy XV, du Astroneer, du Règne, du Final Fantasy VI et du Fallout 4. Donc c'est le premier vote que je vous ai envoyé. Pour l'instant, ce serait Metal Gear Online qui l'emporte, mais vous avez jusqu'à aujourd'hui à 23h pour voter. Voilà, donc ça peut encore changer d'ici là. Sinon, je vous retrouve quand? Je vous retrouve jeudi. Je dis pas de bêtises. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais avoir les découvertes à regarder. Parce que jeudi, voilà, on se retrouve pour un live découverte. Donc je regarderai un petit peu les jeux qui sont sortis récemment et ceux qui vont sortir d'ici jeudi. Puis je vous mettrai le vote soit aujourd'hui, soit demain. Et sinon, je vous retrouve aussi samedi à 10h, comme aujourd'hui, pour la suite du playthrough, du mode new threat de FF7. On tentera de morph cet ennemi. Aujourd'hui, on aura un petit peu avancé, puisqu'on a récupéré gratuitement l'arme d'Aeris, alias Miss.
étant donné qu'on avait déjà tous les ingrédients. Là, on a récupéré le premier en tuant l'ennemi. Maintenant, il va falloir le morph pour récupérer le deuxième. Et le troisième, ça sera un autre ennemi de la grotte Nord qu'il faudra, je crois, juste tuer, j'espère. Je sais plus, il faudra que je regarde. Je dois avoir le document d'ouvert. Non, même pas. Moi, je regarderai. Voilà. Et après, bah, on passera aux armes suivantes, je pense. Hein. Pas comme ça. Voilà, donc je vous ai tout dit pour le programme. Donc je vais vous laisser avec un petit host, soit quelqu'un qui fait du Mod New Threat, soit quelqu'un que je suis. Et je vous l'hosterai d'ici 1 ou 2 minutes. Le temps d'actualiser un petit peu pour voir ce qu'il y a en ce moment. Voyons voir. Alors, dans ceux qui jouent à FF7, nous avons du New Threat apparemment, mais pas en français. Ah, je crois que ma fenêtre a complètement freeze. On va actualiser à nouveau. Sinon, dans ceux que je suis, nous avons la rétro 1D sur Pokémon Emerald. Et c'est tout que je vais vous proposer. Bah, au pire, on va peut-être on va peut-être host quelqu'un qui joue FF7. Sauf si quelqu'un dans le chat compte lancer un stream. Éventuellement, on pourra le host. Ça fait quoi sinon dans les hosts? Ok. Alors du coup, FF7, voilà, il y a moi. Ah bah ouais, bah, j'y étais pas. Donc ça avait pas dû actualiser en fait. Du coup, il n'y a peut-être pas quelqu'un. C'est du speedrun, c'est du premier playthrough, c'est du challenge run sans objet. Ok. Ah, du New Threat, si finalement, mais en anglais. Ouais, et ben vu que j'ai pas grand chose de mieux à vous proposer, bah ben, ça sera du New Threat en anglais. Je vais m'assurer que ça joue. C'est quoi cet petit avion sur la rétro 1D sinon? Oh bah tiens! Ah, il se fait le boss qu'on n'a pas su faire. Je vais vous mettre la musique. Si vous entendez, c'est très faible comme son. C'est le boss qu'on n'a pas su faire à Midgar quand on est retourné, celui qui est devant le diorama. On pensait impossible et au final, il fallait juste plus de level, se mettre en triste comme il a fait lui. Donc voilà. Je vais vous laisser avec lui. Je ne sais plus son nom, c'est LZHTV. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Passez une bonne fête de réveillon de fin d'année. Je sais pas si. Moi je fais rien pour le réveillon. Je savais pas si je lançais un stream. Ou si je regardais un stream de fin d'année. Parce que le problème c'est que je savais pas s'il y aurait eu du monde de 23h à 1h pour me regarder ou si tout le monde était occupé au réveillon. Donc je verrai. Je pense que je vais regarder un stream en fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Je lance l'os dans quelques minutes. Salut!